Elle est aussi grande que... Je crois qu'il est énervé sur vous. Whisky trickshot. Oh putain, j'ai sauté, je me suis pris. La légende raconte que si tu likes cette vidéo, la prochaine saison de Fortnite sera la meilleure. Alors, t'attends quoi? Eh bien, salut à tous ces petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite en mode créatif. On est parti, les amis, pour se faire une petite carte que ma copine a créée. C'est un loot drop quiz. Donc, du coup, on va devoir répondre à des questions sur la culture générale. Donc, ça risque d'être une catastrophe. Et derrière chaque réponse, on aura une arme différente. Bien évidemment, si on a la bonne réponse, on aura une arme légendaire. Si on n'a pas une bonne réponse, on aura une arme de merde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. D'ailleurs, je suis avec Whisky, Stormy, Zenjedou. Et par contre, c'est une personne par case, là. Ça sert à rien. Va-t'en. Arrête, bouge ton boule d'hérisson, là. Vous êtes prêts à rentrer? Ouais. Oubliez pas comme d'habitude de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, le code créateur virtuose, le concours instant gaming dans la description, vous abonner si vous êtes nouveau, ouais, et on est parti, let's go. Et non, go. C'est pas un petit pouce bleu, c'est un gros et immense bleu, d'accord. D'accord, merci Jedou. Qui était Marie Curie? Une youtubeuse, une chanteuse, une physicienne, une écrivaine, des épices. Pourquoi une physicienne est marquée encastrée dans le plafond? C'est peut-être un bug. C'est un bug, c'est pas grave. Ok, vous mettez tous devant une case et vous rentrez. Enfin, vous attendez, vous attendez, vous êtes prêts? Ouais. Vous rentrez. Oh, joli. Vous avez eu quoi? Non. On le dit pas. Bah si, dites l'arme que vous avez eu. Le revolver en or. Revolver légendaire. J'ai d'où? Fusil à pompe tactique. Quelle rareté. Grise. Ah, t'as mis quoi comme réponse? Youtubeuse. Non, t'as pas mis youtubeuse. Non, j'ai tout. J'ai mis écrivaine. Ah, d'accord. Écrivaine. Ah. Il me rassure. J'ai eu un sniper, moi. J'ai eu un sniper, waouh. Je suis le troisième d'une cour, je dépasse le deuxième. Quelle est ma position? Oh non, putain. Je dépasse le deuxième. Premier, deuxième. Entre le cinquième et le quatrième, je sais pas, deuxième. Je suis troisième. Dites pas la réponse, hein, dites pas la réponse. Bah ouais, logiquement. Ouais, logiquement, c'est ça. Logiquement, c'est ça. Vous êtes prêts à rentrer? Ouais. 3, 2, 1, rentrez. Oh, mais attends, est-ce qu'on a la même en fait? Non, on n'a pas la même arme. Non, j'ai eu un ski qui avait la main. J'ai eu un sniper, oh, moi. Starmie, t'as eu quoi? Vas-y. Arme légendaire, arc explosé. Waouh. Whiskin? Moi, j'ai eu l'arc. Aussi, j'ai d'où? Quadrilanceur. Ah mais Whisky, il y a la même lanceur. Ah t'as, du coup t'as eu la bonne réponse. Et du coup j'ai eu le quadrilanceur légendaire aussi. Qui a chanté la Marseillaise? Claude Joseph Rouget. Joule. Gamer dit le doux. Votez José. Bah je pense que la question est un peu évidente là vu les noms. En vrai, moi, je pense que c'est lui. Si je me souviens bien de mes cours d'histoire, géographie qui m'ont été comptés par mon collège, je dirais ça. Vous êtes prêts à rentrer? Non. Vas-y. 3, 2, 1, rentrez. Oh oui! Oh non! Oh oui! Oh non! Ah, vive la culture générale française! Vive la culture générale! Que c'était tout à gauche. Oui, c'était tout à gauche et la réponse était Claude Joseph Rouget. Vraiment, je suis allé au milieu là. Stermis, t'as eu quoi comme arme? La fameuse grise. Aïe, ça pique. Whisky? Le quadrilanceur en or. Ouais, j'ai d'où? La fameuse grise. Putain, mais vous avez vraiment une culture générale de merde. C'est incroyable. Oh, ça... Combien oh de mètres mesure la tour Eiffel? 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres. Elle est aussi grande que... Putain, elle est aussi grande que... Non, je pense qu'on dira pas, mais... Que ma règle. J'hésite entre 200 et 300. Moi, c'est bon, j'ai déjà pris. Bah allez, moi je vais là, allez. Vas-y, je vais... On a déjà été, hein. Oui, mais ça déjà été, et savoir là combien, moi je ne peux pas... Vas-y, vous êtes prêts à rentrer? Ouais. Rentrez. Oh yes, yes. Oh yes. Oui, non. Ah, comment ça, oui, non?
Bon, parce que j'ai encore un arc légendaire que j'ai déjà. Donc ouais, non. Donc Lucy, t'as eu un arc légendaire aussi? Non, j'ai encore eu le quadrilanceur. Ah, merde. What the fuck, c'est quoi ce stuff? Et j'ai dit, t'as eu quoi? Lance-grenade de proximité. Mais non. What the fuck. Il est la meilleure. Ouais, ça va être la, le bordel. Combien font 50 centilitres en milli... Ah, par contre, ça, je suis clairement pas doué. 0,5, 5, 0,005, 500, 5000... Ah 5000. Oh, en vrai, centilitres en millilitres. En vrai, normalement. Oh, je dis au pif. Normalement, en vrai, je dirais. Attends, on passe de centi à 100 à milli. Normalement, milli, je dirais ça. Je dirais ça. Vous êtes prêts? Attends, je sais pas moi. En vrai, j'ai un gros doute là. J'ai un gros doute. Du coup, attends, pour combien ça, je font 50 millilitres en ml? En minute. Vous êtes prêts à rentrer? Vas-y. Ouais. 3, 2, 1, rentrez. Oh là 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 là. J'ai donc fait un sans faute sur ce quiz, les amis. J'ai fait un sans faute. J'ai fait un sans faute. Starmin, t'as eu quoi comme arme? Bah, sors. Et on se montre tous. Mais on peut pas sortir. La porte est en face de toi, non? Non, j'ai plus de porte en face de moi, j'ai plus rien en face de moi. J'ai un mur en face de moi. Ah non, ça c'est pour les questions. J'ai un mur en face de moi. Ah oui, non. Ok, le pistolet mitrailleur rafale bleu, là. Le pistolet... Ah ouais, t'as eu la mauvaise réponse. Oh merde. J'ai pris 5. J'ai encore eu l'art. Ouais, et j'ai d'où? C'était 500. Pistolet mitrailleur à rafale. Ok, d'accord. C'était 500 la bonne. Oui, c'était 500. Bah ouais, je vois. Et tu sais qu'est-ce que j'aurais pu avoir à 500? Vas-y. Le lance-citrouille légendaire. Oh là 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 là. Par contre, moi, j'ai... Oh, mais moi aussi! Oh, vas-y, je peux le remplacer, s'il vous plaît. J'ai deux quadrilanceurs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Attends, je peux pas remplacer mes deux arcs? Vas-y, en vrai, prenez une arme, une autre arme légendaire, parce que deux fois la même arme, ça sert à rien. Une autre arme légendaire, ok. Pour remplacer l'arme légendaire qu'on a. Ok, bien roulé les amis, donc c'est parti, let's go pour le petit combat. Est-ce que vous êtes tous ready? Ouais. Et bah c'est parti. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça commence direct quand on est comme ça. Ce qui me saute, c'est que la map elle est grande. Mais quoi? Oh non! Oh la roulette, elle est passée juste à côté du Whiskid! Le joueur français! Ouais, par contre, je vous le dis, je vais jouer beaucoup lance-roquette. Wow! Oh, il s'est exprès, il s'est suicidé. Ouais, j'ai pas fait exprès. Oh là là, du coup, j'ai fait le kill. Oh, bien joué, Starmiz. Non, quoi? Mais où? Mais les robots, des fois, les robots, ils sont overcheat. Mais quoi? Le skid a construit un mur. La roquette, quoi. Oh ouais. Ah, bien joué. Oh. Aïe. Dans ma map, parfois ça pète tout le temps, quoi. Oh quoi? Putain, j'ai sauté, je me suis pris la roquette. J'étais derrière toi, moi. Le double kill. Oh, ah, Starmiz, t'es mort. On veut, ouais. Non. Non. Oh là 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 là, cette maîtrise du lance-roquette, mon gars. Oh là là, dommage. Starmiz, tu sais pas gérer l'arc? Mais attends, c'est pas l'arc. C'est par là que l'arc, je te fais des kills, c'est juste que je spawn un grand là-bas. Un peu comme moi. Voilà, tu me casses mon arc. C'est qui Camille spawn encore? Ça doit être G12. Oh, bien joué, G12. Je crois qu'il est énervé, Starmiz. Whisky trick shot. Oh, c'est bon, Starmiz, il a sorti le lance-roquette.
Ça y est, c'est bon, on a réveillé le fauve. Tu m'as fait Rocket Race, Starmis, tu le sais ça? C'est bon, Starmis il s'est muté là, il est passé en mode vénère. Oui, ce qu'il dit, il en a marre. Oh là 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 là. Whiskid, ça va. Whiskid. Cette game était fantastique. Elle n'est pas terminée. Non, putain. Restez rien en plus en HP. Virtuose. Je vais t'en foutre une, hein. Ça m'est dit. Virtuose, tu m'énerves. Pourquoi? Parce que je suis trop fort à l'explosif. Oh non. T'es un spawn de merde aussi là. Il est spawn là. Trickshot mon gars. Oui. Regarde, je spawn à côté de Gidou. Gidou, est ton enquadrilanceur là. Mais vas-y, j'y spawn à côté de Virtuose là. Yes. Et il se suicide le con. Et j'ai 32 kills les gars. Majoritairement tous au lance-roquettes bien sûr. Allez c'est bon, je quitte. Oh là là. Non, Starmis, attends, le tableau des scores. Starmis, donc j'ai gagné avec 32 kills au lance-roquettes, forcément la base, Whisky 24, Jidou 17 et Starmis a donc 10 kills. Starmis, ça va? Starmis? Starmis? J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, pour le soutien. Vous pour le soutien de Stormy. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, et nous on vous dit à la prochaine et bye tout le monde. Bye. Bientôt.